Bonjour à tous et à toutes, 2022 c'était très chargé en termes d'actualité. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais vous proposer une petite vidéo un peu particulière sur les nouvelles de 2022 les plus incroyables dans le milieu du gaming et des réseaux sociaux. Entre les scandales sur Twitch, les polémiques, les événements et les événements des événements, il y a de quoi faire. Voici donc les 11 plus grosses news de 2022. En avril 2022, une petite guerre a éclaté, celle de la Pixel War. Le but est juste de mettre un pixel sur une énorme fresque auquel le monde entier peut participer, et ça a pris une ampleur gigantesque lorsqu'est arrivé le conflit entre la France et l'Espagne. Les Espagnols s'amusaient à recouvrir d'autres œuvres, et quand ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient que très peu de place, voire aucune, ils se sont attaqués à la plus grande fresque, à savoir la fresque française. Cependant, nous les Français, on a une bande de gros cons et on ne s'est pas laissé faire. Grâce à Kameto et quasi tout le stream français, la fresque a résisté. Ça a pris de l'ampleur au point que d'autres gros streamers étrangers, notamment XQC, ont rejoint les Espagnols, mais on a tenu bon, la fresque est restée intacte, Zizou n'a pas disparu. Le croissant et les dofus sont restés. Comme quoi on a beau se détester entre régions, quand il s'agit de faire chier un autre pays, on est tous solidaires et je trouve ça magnifique. En fin d'année, nous avons eu droit au traditionnel Game Awards. Il y a eu beaucoup de récompenses, beaucoup d'annonces surtout, et très franchement, j'aurais pu mettre dans ce classement l'annonce de Death Stranding 2 où j'ai senti des dizaines d'érections se dresser dans le public. J'aurais pu mettre, s'il n'y avait pas eu, le troll des Game Awards. Lors de la remise du jeu de l'année, un gamin s'est glissé parmi l'équipe de From Software lorsqu'ils se sont levés pour récupérer leur récompense. Il est resté tout à fait tranquille pendant le discours, et juste avant de rendre le micro, le gamin prend la parole et dit « Je voudrais dédier ce prix à mon rabbin orthodoxe réformé, Bill Clinton, merci à tous ». On a conclu qu'il s'agissait juste d'une mauvaise blague, mais déjà, Bill Clinton a dû se lever le lendemain en se demandant pourquoi on parlait de lui et qu'est-ce qu'il avait encore fait. Mais surtout, ça aurait pu être bien plus grave. Il y avait beaucoup de personnes très importantes aux Game Awards. Un inconnu grimpe en même temps que des invités sur l'estrade. Dans le pire des cas, il aurait très bien pu sortir une arme et tirer dans le tas. Surtout dans un pays où tu peux acheter un pistolet mitrailleur au même endroit où tu peux acheter tes slips. Ça aurait pu très mal tourner. Heureusement, ce mini-drame a donné juste une mauvaise blague et un mode sur Elden Ring. En septembre, on aura eu deux morts, celle d'Elisabeth II, God Save the Queen, et celle de Google Stadia. En effet, en septembre, Google annonçait l'arrêt de Stadia pour janvier 2023. Google Stadia est un système de cloud gaming lancé en novembre 2019. Le but était de proposer un catalogue de jeux en cloud via Chrome, Chromecast ou Chromebook. Pour lancer un jeu, il fallait juste un PC ou une connexion internet, pas besoin d'une console ou d'un ordinateur hors de prix. Votre vieux PC portable peut faire tourner Cyberpunk tranquillement juste en lançant Chrome. Enfin voilà, le but de Google était surtout de devenir un concurrent sérieux entre Microsoft et Sony. Et pour avoir essayé Stadia, bah effectivement, ça marche. Je vois Hitman 2 sur mon téléphone, ça fait son petit effet. Mais déjà, une manette, bah c'est quand même vachement mieux qu'un écran tactile. Le système d'abonnement à 10€ par mois, ok, mais il fallait aussi payer les jeux avant d'y jouer, contrairement au Game Pass de Microsoft. Et le dernier problème, c'est qu'il fallait une très bonne connexion internet, voire la fibre pour que les jeux marchent sans problème. Et encore, moi j'ai la fibre directement reliée à mon ordi, et j'ai eu des ralentissements assez vilains. Et l'accès à la fibre, bah rien qu'en France, tout le monde n'y a pas encore accès. Bref, suite à l'annonce de la fermeture, certains développeurs étaient en colère, et certains consommateurs suppliaient pour un transfert de sauvegarde, dont un mec qui a quand même passé 6000 heures sur Red Dead Redemption 2 sur Stadia. Ajoutez à cela un manque quasi total de communication et Stadia sera mort sans même être connu du grand public. La France a beau être un petit pays, les événements sur Twitch prouvent au monde entier que le peuple français en a dans le calbut. Quatre énormes événements ont bousculé la scène Twitch cette année. Le Zeven de Zerator qui a dépassé la barre symbolique des 10 millions d'euros de dons pour la deuxième année consécutive. La Trackmania Cup par encore Zerator, le GOAT à l'Accor Arena de Bercy. Le Eleven All-Star de Amin Mathieu qui a proposé un match de foot entre youtubeurs et streamers. Opposant à nouveau la France à l'Espagne et où on a mis un octogone sévère aux Espagnols pour la deuxième fois dans l'année. Et enfin le GP Explorer de Squeezie. Une course de Formule 4 sur le circuit Bugatti du Mans qui a réuni tout le fleuron YouTube et Twitch français et où Villebrequin en est sorti gagnant. Le Eleven All-Star et le GP Explorer ont réuni plus d'1 million de viewers. La France a fait des événements incroyables sur Twitch et j'ai qu'une hâte de savoir à quoi je vais assister en 2023. C'est la même licence donc je les mets ensemble, les sorties de Pokémon Arceus et Écarlate Violet. En janvier 2022, Pokémon Arceus est sorti avec la promesse d'un monde semi-ouvert à explorer où on peut capturer des Pokémon immédiatement. Et de ce côté-là, c'est tout bon, j'ai jamais pris autant de plaisir à capturer des Pokémon. J'avais enfin la sensation d'être un véritable dresseur. C'était vraiment cool. Mais à quel prix? Les graphismes sont immondes, la distance d'affichage est inexistante, les textures sont dégueulasses et l'anti-aliasing se fait perforer l'anus à coups de marteau-piqueur et particulièrement quand on se trouve devant l'eau ou dans une grotte. On a à peine eu le temps de se remettre de ces graphismes que la Pokémon Company annonce la 9G en véritable monde ouvert pour la fin de l'année. Et du coup on est tous en mode « Ah déjà ?» Ah bah... Bon bah ok, hein, bah si vous le dites. On pensait que Pokémon Arceus était le crash test du coup, un exercice pour les développeurs avant le gros jeu, histoire de maîtriser le monde ouvert. Écarlate et Violet sont sortis et ce n'est pas un échec. C'est une catastrophe. J'ai rarement vu un jeu aussi moche. En fait, le jeu n'est pas immonde.
il est juste pas fini. Le contenu est intéressant, il y a des bonnes idées, mais les clippings, les PNJ à 10 FPS, les chutes de framerate, les bugs de texture et autres bugs en tout genre sont beaucoup trop visibles pour ne pas y faire attention. Certains bugs sont drôles, mais j'ai un peu ri jaune. Les joueurs sont très en colère et je m'inquiète sérieusement pour l'avenir des jeux Pokémon. C'est sûrement le lancement qui m'aura fait le plus rire dans l'année, la sortie de Diablo Immortal. Dès son annonce en 2018, le jeu était déjà une blague. Un mème a été créé, et les deux personnes présentes sur la scène ont passé un sale quart d'heure. En même temps, tu annonces un free-to-play sur mobile devant une foule de joueurs PC qui attendaient Diablo 4, ça pouvait que mal finir. Et lorsque le jeu est sorti en juin 2022, il s'est fait descendre par la communauté. Attention, le jeu est beau, hein. Le gameplay est dans le pur esprit Diablo, c'est fluide, c'est vraiment un des plus beaux jeux que j'ai vu sur mobile. Non, ce que tout le monde pointe du doigt, c'est son système économique qui frise l'illégalité. Pour faire simple, il est impossible d'être le plus fort sans dépenser de l'argent, c'est littéralement du pay to win. Le streamer Asmongold a fait un comparatif en lançant une faille ancestrale où il a dépensé 20$ et une autre où il n'a rien payé. Évidemment, il pleuvait littéralement des objets légendaires dans la faille où il a payé, tandis qu'il n'y avait absolument rien dans la faille gratuite. Et même quand tu payes, c'est pas garanti de ramasser des gemmes légendaires. Le streamer Queen a dépensé 10 000$ pour obtenir des gemmes pour n'avoir qu'au final absolument rien. Mais la nouvelle qui m'a fait le plus rire, c'est du youtubeur GT's All Business qui a dépensé plus de 100 000$ dans le jeu et s'est retrouvé tout seul car le matchmaking ne trouvait pas de joueurs à son niveau. Il ne pouvait plus jouer. Un peu dommage pour un jeu multijoueur. Je vais pas vous empêcher de jouer à Diablo Immortal, mais par pitié, n'achetez rien. Le seul vrai but de ce jeu, c'est d'entraver les joueurs gratuits pour les frustrer et les obliger à payer. On a vu deux sorties qui ont déçu, mais en 2022, une sortie a mis tout le monde d'accord, la sortie de Elden Ring. Pour ceux qui ont vécu dans une caverne toute l'année, Elden Ring c'est un mélange de Dark Souls et de Zelda Breath of the Wild, un monde ouvert où tout le monde veut tuer. Depuis sa sortie, Elden Ring est un raz-de-marée de succès, un des meilleurs open world jamais sortis qui a raflé 3 récompenses au Golden Joystick Awards et 7 récompenses au Game Awards, dont le jeu de l'année. Le jeu a été parcouru en long, en large et en travers, chaque semaine la communauté faisait des découvertes ahurissantes, des tonnes de tutos sont arrivés pour le farm ou expliquer le lore, une armée de speedrunners s'est jetée dessus. Des gens l'ont terminé de toutes les manières en inventant des défis à la fois stupides et impressionnants, et des héros sont nés. Elden Ring a tellement eu de succès auprès du grand public que le jeu a relancé le débat de la difficulté dans les jeux vidéo, et énormément de modes sont arrivés pour le plaisir des joueurs PC. Elden Ring a tout pour plaire, et si vous n'avez pas peur des défis, faites-le, c'est une masterclass. On s'est demandé pendant plusieurs mois s'il allait faire ou non, mais au final, il l'a fait. Elon Musk a racheté Twitter. Le 14 avril 2022, il propose de racheter la société et à la suite de nombreuses complications, il finit par acquérir Twitter le 27 octobre 2022 pour 44 milliards de dollars. Son but est de vouloir développer le potentiel incroyable du réseau social et de permettre une plus grande liberté d'expression en permettant à tout le monde de s'exprimer comme il a envie. Mais la liberté d'expression, c'est à double tranchant. Point positif, tout le monde peut s'exprimer. Point négatif, tout le monde peut s'exprimer, ce qui a donné une augmentation de propos extrémistes dans la plateforme. Et depuis ce rachat, alors d'accord, l'oiseau est libre, mais l'oiseau il sait surtout pas où il va. Elon prend des décisions pour au final revenir dessus quelques jours après, on licencie plein de gens dans l'entreprise et après on en fait revenir certains parce qu'au final ils sont utiles. Pendant un moment, pour avoir la certification, il fallait juste payer 8€ par mois et il n'y avait aucune vérification. Tout le monde pouvait certifier son compte pour 8€ par mois. Les créations de faux comptes ont explosé et ça a donné quelques dingueries. Ça a été retiré et puis au final ils ont mis en place un badge avec différentes couleurs en fonction de si c'est un individu ou une entreprise et ensuite... Bah je sais plus! Y'a trop de trucs! Y'a trop! Ça change d'avis tous les 4 matins, je sais plus où on en est. Les seules choses qu'on sait, c'est que depuis qu'il a racheté Twitter, Elon Musk a perdu 200 milliards de dollars et dans l'entreprise, c'est le chaos total. Certains voient en lui un génie qui fait progresser l'humanité, moi je ne vois qu'un gamin qui s'ennuie et qui sait plus quoi faire de son argent. Un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai idolâtré Twitch avec de très bonnes choses, mais des choses très graves se sont passées également. En France, on a eu le harcèlement de Ulka qu'elle subit depuis plus d'un an, mais qui est revenu en force lors du Eleven All-Star alors qu'elle n'a fait aucun commentaire, ainsi que l'arrestation d'un harceleur de Magla, et plus tard, elle mettra en lumière des forums et salons Discord tous aussi glauques les uns que les autres sur des tarés qui fantasment sur des streameuses en faisant du roleplay et en s'envoyant des photos... Retouchées pour un contenu adulte. J'ai toutefois retenu deux autres streameuses pour des choses tout aussi graves, Adriana Tchekchik et Amourante. La première, Adriana, en participant à la TwitchCon de 2022, s'est littéralement explosé le dos en sautant dans une fosse de cubes en mousse. Comment a-t-elle fait ? Ah bah c'est très simple, il n'y avait aucun matelas sous les cubes. Elle a atterri sur du béton. Le pire, c'est qu'avant elle, d'autres personnes se sont blessées dans cette fosse. Ça aurait pu être évité. Adriana a été emmenée d'urgence à l'hôpital où elle a été opérée dans l'heure. Et après, oh, ça a été la vie de rêve, hein. Elle a une longue tige en métal tout le long de sa colonne vertébrale, dès qu'elle voulait remarcher, elle avait tellement mal qu'elle s'évanouissait de douleur, elle peut plus aller aux toilettes sans demander de l'aide, et pour le grand final, les médecins lui ont révélé qu'elle était enceinte mais ont dû arrêter sa grossesse pour la sauver. À la bonne ambiance, hein, je vous dis.
Et comme si ça ne suffisait pas pour elle, en fin d'année, elle a été victime de swatting et en début d'année, elle s'est faite bannir de Twitch à cause de son passé d'actrice de films pour adultes. Bref, une bonne grosse année de merde pour Adriana Cechik. J'espère qu'elle a porté plainte parce que ni Amazon, maison mère de Twitch, ni les compagnies à l'origine de cette fausse ne s'est exprimée sur son accident. La deuxième, Amourante, a reçu un appel pendant un de ses lives, s'est absentée pendant une heure et demie, revient en pleurs, toujours avec son appel, et révèle à ses fans que non seulement elle est mariée depuis 7 ans, mais en plus que c'est son mari au téléphone et que ce dernier a le contrôle total sur sa vie. Elle révèle des tas de choses à propos de son mari. C'est lui qui la force à endosser ce rôle de streameuse célibataire pour gagner plus d'argent, à se lancer dans les streams hot tub pour attirer plus de viewers, et que le compte OnlyFans était principalement l'idée de son mari. Il l'a menacé de prendre le contrôle de son compte bancaire et de vendre ses chevaux qu'elle n'avait plus le temps d'aller voir parce qu'il ne lui laissait aucun jour de repos. Après que son mari soit rendu compte que son comportement était exposé à la lumière de tous, il pète un câble, menace de tuer ses chiens en plein live et finit par accrocher. Amourante dévoile après des messages où son mari l'insulte et la menace. Aujourd'hui, elle a divorcé et elle a l'air d'aller beaucoup mieux et ses chiens vont bien. Bref, énorme année pour les événements Twitch, mais sale année pour les streameuses. En janvier 2022, Sony rachète Bungie pour 4 milliards de dollars. Ensuite, Take-Two rachète Zynga pour 13 milliards. Microsoft est arrivé et leur a dit « Hold my beer ». Le 18 janvier 2022, Microsoft décide d'acquérir Activision Blizzard King pour 69 milliards de dollars. C'est plus qu'énorme, c'est le plus gros rachat jamais fait dans l'histoire du jeu vidéo. Et avec cette annonce, les dirigeants de Sony ont chié dans leur froc, parce que de leur point de vue, Activision, c'est les Call of Duty. Qui dit Call of Duty dit vente de console PlayStation, et qui dit rachat de Microsoft dit exclusivité sur Xbox. Et ça, Sony, ils en ont pas trop envie, et je peux comprendre. Car si le rachat est effectué, la branche gaming de Microsoft, ça va être tout ça. Ça fait quand même beaucoup. Des tas de gens sont sur ce dossier. Plusieurs pays ont déjà approuvé ce rachat, tels que le Brésil, le Chili, la Serbie et l'Arabie Saoudite, mais il y a surtout la FTC aux États-Unis, la CMA au Royaume-Uni et la bonne vieille Commission européenne, les trois plus grosses institutions au monde. Elles doivent vérifier si ce rachat ne va pas mettre Microsoft dans un trop gros monopole. Pendant toute l'année, on a eu droit à presque une actualité sur ce rachat par semaine. Mais on a aussi découvert que Sony faisait des choses pas jolies jolies depuis quelques années. Par exemple, ils auraient payé des éditeurs juste pour que leur jeu n'aille pas sur le Game Pass. Pas très sport ça non plus. La validation totale du rachat devra arriver au plus tard en été 2023 et, personnellement, je suis pour ce rachat, en espérant que ça arrange les choses au sein d'Activision Blizzard King, notamment au sujet de la toxicité de l'entreprise, et aussi pour avoir le plaisir de voir Robert Kotick dégager de son poste. Ce connard a étouffé les scandales et a protégé la plupart des personnes qui ont été accusées de misogynie et de harcèlement. Il aura un parachute doré, mais je m'en fous, il sera parti. 2022 n'a pas été avare en actualité, mais le plus gros scandale a eu lieu le 18 septembre 2022, le leak de GTA 6. Un hacker a réussi à s'emparer d'une centaine de vidéos du jeu, soit environ une heure de gameplay, et les a balancées sur internet. On n'était pas sûr de la fiabilité de cette fuite, mais le lendemain, Rockstar a confirmé que quelqu'un s'est introduit dans leur serveur. Il n'y a jamais eu d'aussi gros leak de ce genre depuis Half-Life 2 en 2003. Il y avait des rumeurs avant tout ça, mais maintenant on sait tout. On sait qu'on incarnera deux protagonistes, un homme et une femme, une espèce de couple à la Bonnie and Clyde. On sait que le jeu se déroulera à Vice City, on connaît la map, on connaît presque tout. Les vidéos, c'est déjà une sacrée news, mais plus grave encore, le code source de GTA 5 et 6 a aussi fuité et a été menacé d'être mis aux enchères sur le marché noir contre une rançon. Je vous laisse imaginer l'état des avocats quand ils se sont réveillés le matin du leak. Pour l'entreprise et surtout pour les développeurs, c'est un cauchemar. Si le code source est rendu public, ça serait la porte ouverte pour tous les cheaters. Et comme le mode online de GTA 5 leur apporte encore pas mal de pognon, ils vont réagir très vite. Dans la même journée, Take-Two dépose plainte, le FBI s'est emparé de l'affaire et 4 jours plus tard, le hacker est arrêté. Un jeune londonien de 17 ans. Et dans la même foulée, les développeurs d'autres entreprises ont publié des vidéos de leur jeu lorsqu'ils étaient au stade de projet afin de soutenir Rockstar Games, et ça, ça c'est beau. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, c'est très important. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, et à me suivre sur Twitter et Twitch, je suis plus actif là-bas. Salut !